Adnan Karmami, diplôme dans ma vie d'ami. Tout m'a baudami, la winne et la katimpa. Moi, je me nomme Odrago Samuel Rayane Wende. Je suis le conseiller principal d'éducation au lycée départemental de Zogoré. L'activité a été autorisée par les responsables de l'établissement. D'abord, le président de l'association nous a contactés. Il a contacté d'abord le proviseur. Après, il m'a contacté personnellement pour nous signifier qu'ils entendaient organiser un examen blanc communal au profit des élèves de classe de 3e et de terminale. Et par la suite, ils ont adressé une demande à la direction provinciale des enseignements post-primaires et secondaires qui a connu une réponse favorable le 6 avril 2021. À l'issue de cette réponse favorable, la direction provinciale des enseignements post-primaires et secondaires nous a adressé une note demandant à tout chef d'établissement de la commune, notamment le directeur de CIG et le lycée et le proviseur du lycée départemental de Zogoré, à favoriser l'organisation des examens dans la petite commune. Donc, concernant l'autorisation, c'est une autorisation qui a été demandé depuis la hiérarchie, même à notre niveau, et ils ont connu un accord des deux côtés. Une activité qui vise à doter les candidats, les futurs candidats au BEPC et au baccalauréat session de 2021, à doter d'aptitude pour affronter avec sérénité la proposition de l'examen national. Donc c'est vraiment la bienvenue que les accompagner les petits frères, les petites sœurs, accompagner tous les élèves qui travaillent dans la commune à réussir. En parlant de l'accompagnement des autorités communales, en fait, comme l'édition, c'est la première édition pour le monde, nous n'avons pas eu le temps de les toucher comme cela pour l'information. Mais Inch'Allah, la prochaine fois, l'année prochaine, que si nous allons essayer d'organiser, nous allons essayer de les toucher pour voir aussi ce qu'ils ont dit. Tendu à l'issue de cette activité, vraiment, ce que nous souhaitons vraiment avoir à l'issue de cette activité, c'est que voilà, l'examen s'est presque arrivé. Nous prions Dieu vraiment que cette activité que nous avons organisée puisse être une activité qui va accompagner nos frères et sœurs au niveau des examens, des vrais examens qu'ils veulent organiser. Que le succès de nos frères et sœurs là, vraiment soit quelque chose de, voilà, de niveau élevé quoi. Et vraiment, nous avons l'intention de les pérenniser. Parce que pourquoi? Chaque année, vraiment, c'est ce que nous comptons organiser, mais nous n'arrivons pas à faire. Mais nous avons dit que une fois que vraiment il y a la volonté là, si nous avons la volonté, les aînés aussi vont nous aider. Et nous avons essayé de le mettre ça en place, en pratique cette année. Et vraiment, certains de nos aînés, des ressortissants de la commune que nous avons touchés, ils nous ont poussé vraiment à organiser cette activité. Et nous comptons encore que l'année prochaine, nous allons essayer encore de le faire. Et ainsi de suite. Et cette activité-là, nous avons vraiment l'intention de le pérenniser. Je m'appelle Bien Rakedou. Je fais la classe de 3e, lycée départemental de Djibouti. Nous avons décidé de prendre part à cette évaluation car ça enrichit notre connaissance. Ça nous permet ou nous facilite notre examen. Nous trouvons les sujets abordables. Je pense que cette activité, c'est une bonne activité. Ça nous a permis trop de choses. À mon niveau, en tout cas, vos sujets, ça nous a beaucoup donné quelque chose. Ça nous a permis d'enrichir nos connaissances. Et les années antérieures, nous n'avions pas eu cette occasion. Donc, cette opportunité, ça nous. Ça,
Je ne sais même pas comment vous remercier, quoi. Donc, grandement merci beaucoup. On remercie les frères pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Que Dieu nous octroie des bonnes et des contributions. Au nom de Shankara Philippe, le lycée départemental de Jogolé, je fais la place du terminal 2. Alors, tout d'abord, je vais remercier aux organisateurs qui ont eu l'idée d'organiser cet examen blanc. Vraiment, cet examen blanc va nous aider à préparer le vrai examen. Ça nous aide à savoir comment il faut aborder les sujets et savoir comment vraiment il faut affronter le vrai examen. Voilà, ce sont ces raisons-là qui nous ont motivés de faire part à cet examen blanc. Bon, on ne peut pas donner un jugement total au sujet. Bon, ça dépend des bosses. Certains les trouvent faciles. Il y a certains aussi qui les disent qu'ils sont difficiles. Donc, en somme, on peut dire que ça va. Donc, c'est abordable. Donc, c'est pas assez difficile. Voilà. Isaka Sabatoro, professeur certifié de mathématiques en service au lycée Philippe Zenda Kabore, ressortissant de Zogoré. Effectivement, il y a les jeunes frères qui sont venus me voir quand j'étais à Ouaga pour l'organisation de cette activité. Sincèrement, j'ai apprécié ça, c'est une très bonne et belle initiative. Voilà, parce que bon, du point de vue social, ça nous a permis de se connaître entre nous, collègues, étudiants. Voilà, j'ai connu beaucoup de personnes, entre les élèves aussi, puisque ce sont des élèves venus d'établissements différents, tenus par des professeurs différents. Donc, côté social, ces élèves qui sont les apprenants aussi vont bien se connaître. Voilà. Il y a aussi, bon, côté économique aussi, voilà, on s'est déplacé et les transporteurs ont eu ce qu'ils doivent avoir. Il y a eu le carburant. Donc, côté économique aussi, on peut dire que c'est pas mal. Côté pédagogique aussi, et on est venu pour un examen blanc. Et si on parle d'un examen blanc, c'est une évaluation. Donc, alors que dans l'évaluation, il y a beaucoup d'avantages liés à ça. Premièrement, entre les élèves, même surtout qu'ils sont venus d'établissements différents, ils vont venir prendre part à une évaluation sommative. Et à l'issue de ça, il y aura des débats autour des points donnés et de la discussion aussi, comment on appelle les idées, les connaissances. C'est aussi un atout. Et entre nos collègues, il y aura aussi une concertation avant la correction du sujet. Et comme nul n'est parfaitement absolu, bon, on va profiter aussi d'apprendre, car on ne finit jamais d'apprendre. Je peux revenir côté apprenant aussi. Bon, ces derniers, comme c'est une évaluation, le jour de la correction, beaucoup vont découvrir de bonnes méthodes, parce qu'il y a plusieurs bonnes méthodes. Et souvent, on n'arrive pas à tout donner. Mais comme ils sont en classe d'examen, c'est bien vrai que c'est des situations d'apprentissage, mais eux aussi, en tant qu'apprenants en classe d'examen, ils doivent chercher à savoir, à connaître d'autres méthodes, voilà, donner par d'autres collègues. Donc c'est un atout aussi, parce que quand on va venir proposer, il y aura une participation aussi active des apprenants, et ils vont découvrir beaucoup de choses, ils sauront qu'ils ne savaient pas. Donc, c'est ça les connaissances. Logiquement, puisque l'école ne peut pas prendre fin, si ce n'est pas avant, peut-être après la fin du monde. Donc, tant qu'on vit seulement, on est là seulement et on va nous aider dans ce sens. Voilà, il y a les frères, il y a les soeurs et étudiants, il y a aussi des professionnels de l'éducation, on est tous là pour ça. On va les accompagner et même si nous ne sommes plus de ce monde, il y aura toujours des relais. D'autres personnes vont faire ce que nous avons l'habitude de faire pour aider nos frères et sœurs. Donc c'est pour dire que c'est un bon événement qui ne va jamais prendre fin. Le sacrifice, il n'y a pas eu d'accompagnement.
accompagnement. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais bon, si les autorités voient ça, bon, on va leur demander de nous soutenir. Sinon, sincèrement, pour le moment, il n'y a pas eu d'accompagnement significatif comme ça. Pour le moment, la preuve est que bon, vous avez vu ce qu'on a fait. On a mangé. Voilà, donc, pas eu d'accompagnement. C'est vite que chacun a donné ce qu'il peut donner. Voilà, pour mettre en place le sujet, pour le déplacement et autres, il n'y a pas eu d'accompagnement significatif. Alors, en tout cas, dans ce sens. Voilà, donc, on va interpeller aussi l'autorité à voir s'il peut vous aider. En tout cas, ça va me plaire beaucoup. Okay.